Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 des accessoires iPhone que j'utilise tous les jours. Alors pour commencer, je vous parlais d'un accessoire, c'est une batterie. Cette batterie, je l'adore déjà de par son design, mais surtout pour toutes les petites choses que l'on peut faire en plus avec. Cette batterie, elle est conçue par Moft. Elle est en cuir vegan, moi je l'ai prise en brun et elle est juste magnifique dans ce coloris. Il y a 4 coloris en tout, le noir, le bleu, le mauve et donc le brun. Elle a une capacité de 3400 mAh, ce qui ne rechargera pas entièrement votre iPhone 14 Pro Max, mais elle donnera un bon coup de boost à votre autonomie. Personnellement, avec mon utilisation, en étant à 20%, j'ai pu remonter à 85% de batterie, ce qui est plutôt pas mal. Elle délivre aussi une puissance de 7,5 watts, on peut également l'éteindre ou l'allumer à la demande, et elle chargera donc pas toujours le smartphone, comme par exemple lorsqu'on l'utilise quand on a juste besoin du stand. Justement, ce que j'aime bien dans cette batterie, c'est que l'on a avec un porte-carte qui peut faire office de stand, et c'est super pratique car on peut y mettre 3 cartes. Il y a également une LED qui indique de la batterie restante, ce qui est très pratique et qui n'est pas présent sur la batterie d'Apple. Il est également possible de charger son iPhone en filière et ça c'est génial. Dernier détail, le câble USB-C fourni avec est magnétique et on peut donc laisser la tête dans la batterie. Il ne suffit plus qu'à attacher le câble avec les mains, c'est super pratique. Alors son prix, il est de 76,95€, qui est certes un peu cher mais avec tous ses atouts et son design, moi je trouve que ça les vaut. Alors le deuxième accessoire, c'est de nouveau une batterie MagSafe. J'utilise énormément MagSafe, c'est tellement pratique et facile d'utilisation, je sais plus m'en passer en fait. Cette batterie, c'est celle de chez ESR, une marque très connue dans les accessoires pour smartphones et notamment chez Apple. Elle a une capacité de 5000 mAh, ce qui est vraiment énorme. Elle peut recharger jusqu'à 90% de votre smartphone, c'est vraiment impressionnant. Elle recharge en sans fil à 7,5 watts et en filière également jusqu'à 12 watts, car oui, elle peut charger via le câble, contrairement encore une fois à celle de chez Apple. Elle a un pied intégré, ce qui permettra de s'en servir comme stand, et c'est toujours pratique ces petites features supplémentaires. Ça permettra par exemple dans l'avion ou le train de poser son smartphone et de regarder son contenu. Cette batterie a également la possibilité d'être éteinte ou allumée à la demande. Elle a également des LED pour indiquer l'état de charge de la batterie. Je la recommande donc fortement aussi. Elle existe en deux couleurs, en noir ou en blanc. Son design est certes moins travaillé et beau que chez Moft, mais elle est tout aussi efficace. Son prix est aux alentours de 49,99€ sur Amazon. Alors mon troisième accessoire, c'est un chargeur. Ce chargeur vient de chez Ugreen et il est vraiment super car il possède deux ports USB-C pouvant délivrer jusqu'à 45 watts de puissance. On a donc la possibilité de charger deux appareils simultanément, par exemple votre iPad et votre iPhone. Il peut également charger un MacBook Air ou Pro. Il prend également en charge la supercharge rapide pour les Samsung Galaxy S. Ce que j'aime dans ce chargeur, c'est qu'il est très petit, très compact et on peut donc le transporter partout. Et ce que j'aime dans la marque Ugreen, c'est qu'elle est très réputée dans le domaine des chargeurs et donc vous n'avez aucun risque de surchauffe ou court-circuit avec leur chargeur. Le chargeur possède d'ailleurs la technologie GaN, c'est-à-dire qu'elle est économique en énergie, il y a de la dissipation de la chaleur et une dimension qui est très compacte. Son prix est aux alentours des 45,99€ sur Amazon à l'heure où je fais cette vidéo et je trouve ça pas excessif pour tout ce qu'il propose. Alors maintenant passons au quatrième accessoire et ce quatrième accessoire c'est la station de charge 3 en 1 de chez Belkin. Cette station de recharge est pour moi la meilleure que j'ai pu tester, j'aime son design sobre, épuré et élégant. Elle s'intègre parfaitement à mon setup. Ce que j'aime chez Belkin c'est la fiabilité et la qualité de leurs produits. Cette station peut recharger votre iPhone, AirPods et Apple Watch simultanément. La recharge de l'iPhone peut aller jusqu'à 15 watts et d'ailleurs cette station est certifiée MFI, c'est-à-dire Made for iPhone. Nous avons également un voyant LED pour indiquer la recharge des AirPods. L'aimant MagSafe est vraiment très très puissant, je vous laisse juger sur les images. Cette station est posée sur mon bureau et c'est donc très pratique, il suffit de poser mon iPhone et de le laisser charger pendant que je travaille. On peut également incliner le module de charge de l'Apple Watch et je trouve ça plutôt cool car on peut soit décider d'avoir l'Apple Watch couché, soit incliné vers nous. Toujours concernant ce module, on peut également le relever ou le descendre légèrement afin qu'il puisse s'adapter aux Apple Watch 6, 7 ou 8 qui, rappelons-le, sont un peu plus grosses que les 6. C'est très pratique et ingénieux de la part de Belkin. Le prix est entre 149 et 169€, ce qui est, je l'accorde, assez cher, mais vu la qualité de fabrication et la fiabilité, pour moi ça vaut ce prix-là. Ah, j'allais oublier, elle existe en noir ou en blanc. Et on arrive donc au cinquième et dernier produit, ce sont les coques en cuir de chez Apple. Je les aime tout simplement. J'aime ce design sobre et classe qu'elles donnent à mon iPhone. La qualité de fabrication est bien sûr excellente. J'aime leur finesse. Elles grossissent pas trop le téléphone et c'est important pour moi car on a déjà des smartphones assez gros. Pour ma part, elles visent vraiment bien dans le temps, mais bon, moi je suis pas un aventurier comme certains peuvent l'être. Il y a également un grand choix de coloris. Personnellement, j'ai la Terre de Sienne et la Minuit qui sont simplement magnifiques. Ces coques respirent la qualité, mais encore heureux vu les prix pratiqués par Apple. Car oui, ces prix sont très élevés, 69€ en boutique. Mais là encore, en cherchant un peu, on peut trouver régulièrement des promotions sur Amazon. Voilà, c'était mon top 5 des accessoires iPhone que j'utilise au quotidien. Je vous laisse tous les liens dans la description. Ce sont des liens affiliés, ce qui permettra de soutenir ma chaîne et donc de m'aider à grandir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des pouces bleus, des commentaires et surtout à vous abonner. Merci à tous et à la prochaine.